La mise en bourse de la Française des Jeux aura bien lieu, on le sait, maintenant ce sera a priori avant fin novembre. C'est ce qu'a dit euh, sa présidente Stéphane Palaise euh, hier, une privatisation euh, que le gouvernement, on l'a bien compris, veut euh, populaire. Bonjour Bruna. Bonjour. La non moins populaire Bruna Basini, <laughs> rédactrice en chef adjointe. Allez, les euh, Au JDD. Bon, ce qu'on a appris cette semaine, ça c'était lundi pour le coup. Il y a une séquence de communication, c'est intéressant. Lundi, on a pour la première fois l'opérateur de jeux public d'argent qui. Publie euh, ces chiffres oui. qu'on ne connaissait pas, donc voilà, ces chiffres financiers. Et ce qu'on apprend, on savait bien que la FDJ, c'est la deuxième loterie en Europe, la quatrième dans le monde, le monde. mais on a des chiffres financiers euh, qui montrent que l'opérateur public euh, est en très bonne santé financière. Ça, ça va plutôt pas mal hein? pour eux. Hein. Oui, oui, absolument. Ils ont des chiffres qui sont en, en croissance, en hausse. Euh c'est quand même une, euh, une société qui a des taux de croissance euh, de l'ordre de 4 à 5 par an. Et puis là, euh, les mises euh, continuent d'augmenter, puisque les deux activités euh, de la Française des Jeux, c'est tous les jeux de grattage et de tirage, ouais. donc les, les fameuses loteries, ouais. et puis aussi les paris sportifs. Ouais. Et euh, dans les deux secteurs, ça marche, c'est ouais. en forte croissance. Des mises en hausse de 8 sur 9%. 9 mois. Voilà. Ouais. Donc c'est au-delà ouais. de la croissance qu'on a pu avoir ces dernières et années. Et 9 je crois, en fin d'année, d'ici à la fin d'année. Ouais. Les projections sont très bonnes. Donc ça, c'est pour, le, encore une fois, les, 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 les recettes. Oui. Après pour la, les marges, c'est une boîte qui est super rentable. Oui. On ouais. est en marge opérationnelle autour de un peu moins de 20. Oui, un peu moins de 20. Et euh, Stéphane Palaise parle en projection à 2025 de plus de 20%. Donc les, jeux, les gens jouent de plus en plus, c'est ça ouais, aussi la réalité. Quelle que soit d'ailleurs euh, l'activité, quel que soit le cycle économique. Oui. Euh, donc voilà. Donc c'est une boîte qui est en bonne santé, mais sans doute, on s'en doutait, mais on a les chiffres maintenant. Après, on a compris que euh, le gouvernement veut que ce soit une réussite, que, oui. que l'actionnaire populaire répond présent, avec une participation qui devrait passer a priori de 72 à 20 et donc une bonne part, c'est ce que dit l'exécutif. Le, le, oui. Et c'est ce qu'a rappelé aussi d'ailleurs euh, Stéphane Palaise hier, elle était, elle était euh, sur BFM, de dire voilà, on, on, pour que ce soit réussi, il faudra qu'il y ait une bonne part du capital qui soit réservée aux ménages, Au ménage, aux Français. ménages, aux particuliers. On, a, on a peu de chiffres, mais il y a cette certitude que ça sera vraiment, voilà, euh, il y aura une tranche importante il y aura une tranche importante. ouverte, réservée ouais. aux Français. On ne sait pas encore euh, dans quel... Dans quel pourcentage Il y a peut-être aussi une part importante de l'actionnariat salarié dont il faudra tenir compte. Mais enfin, ça procède de la même logique, c'est-à-dire un actionnariat individuel populaire. Le gouvernement a insisté là-dessus, donc je, je pense que effectivement, euh, toute la question de est de savoir maintenant si euh, l'introduction va bien se passer, si mar le climat sur les marchés sera favorable d'ici à la fin du mois de novembre. Mais, euh, mais en tout cas, ça se présente comme une très belle. Euh, Privatisation d'abord, puisque elle, elle, elle se, va se faire dans les temps, euh, sans, euh, sans les incidents que l'on connaît pour, pour Vinci, euh, et euh, avec des perspectives, des, des bons fondamentaux, comme on dit, euh, comme on dit à la Bourse. Ouais. C'est pour ADP, vous voulez dire, non pas Vinci Pour ADP. ADP. Oh, avec... ADP. Oui, ADP. D'ailleurs, dont oui, on a a priori pour l'instant même pas encore un million de signatures. C'est ça. Pardon. Ouais. Je voulais dire évidemment ADP. Euh, oui. Alors dans le cas euh, de la Française des Jeux. Euh, tous les signaux sont ouverts apparemment. Les, les fondamentaux sont, sont très bons. Il y a des taux de croissance importants. Euh, il y a des marges importantes. L'État en plus euh, est très content parce qu'il va garder sa marge. Vous savez que la Française des Jeux redistribue tous les ans euh, autour de 2,6 milliards euh, d'euros euh, au, au, au budget euh, national. Donc, euh, et ça, ça ne va pas changer malgré la privatisation. Sans compter le prélèvement. Sur on parle du prélèvement fiscal sur les mises, là. C'est ça, le prélèvement fiscal. Oui, oui d'accord, je pensais. C'est ça, la subvention. Pensais... Enfin... Parce qu'il y avait deux sources de revenus, c'est intéressant pour oui. l'État. Il y avait à la fois euh, le les prélèvement fiscal. Alors, soit le dividende, oui. effectivement, soit le prélèvement fiscal sur les mises, qui est quasiment, vous le disiez, de pas loin de 3 milliards d'euros. C'est ça. Qui continuera malgré pévasion. Qui la continuera malgré l'État. Donc, c'est une opération tout bénéfice, tout bénéfice. Bon, alors, je reviens sur l'idée a priori, peut-être qu'il y aura des incitations pour, les... pour donner envie au ménages français. Ça a été évoqué, peut-être, une décote pour les des cotes ou des actions euh, gratuites. Effectivement, il faut quand même redonner. Conditionner, conditionner, parce que gratuites, gratuite, c'est pour ceux qui les détiennent, à mon avis, un petit moment. Je pense sans que doute, pas, sans ouais. doute. Les modalités ne sont pas ouais. encore établies. Il faut redonner aussi envie euh, aux, aux, aux particuliers, envie de la bourse aux particuliers. Vous savez qu'il y a eu quand même une baisse très importante du nombre d'actionnaires individuels. Ah ben, bah je, euh, ah bah je la prends. <rire> <rire> non, mais bon, voilà. Donc là, c'est une privatisation qui fait envie, a priori. Je ne vais pas dire que c'est ouais. le jackpot, mais ouais. ça pourrait l'être. Ouais. Et privatisation qui, euh, qui coche toutes les cases. Apparemment, oui. Euh, a priori, ça coche toutes les cases. Après, euh, après, il faut voir aussi si, euh, une fois privatisé, euh, euh, l'État euh, modifie les règles du jeu, durcit les conditions. Euh, euh, ou réduit la part euh, des, des jeux ou des gains, c'est toujours possible. Vous savez qu'il y, y a la mise en place également d'une no nouvelle autorité euh, nationale qui ouais. va prendre la place de, de l'ARGEL ouais. et qui va, euh, effectivement, pour, euh, pour, euh, c'est une autorité de tutelle qui veut éviter les dérives, euh, à la fois sur euh, les risques de santé publique, ouais. effectivement, et puis euh, les risques de blanchiment que, qui sont bien connus. Ouais. Alors, euh, la présidente, encore une fois, la Française des Jeux, elle a beau jeu, c'est normal de nous dire que sa boîte, ce sont ces mots, hein, sera un très bon placement financier de long terme, elle précise. On se dit, on a envie de la croire, parce que c'est vrai que la croissance, elle est là, passée, là, à venir, mmh. présente, elle est là. Elle est stable. Euh, on se dit qu'effectivement, c'est une activité qui est moins liée aux, aux aléas économiques. Que, que, voilà, est oui, elle n'est elle pas, pas cyclique, puisque les gens jouent euh, quoi qu'il arrive, Enfin, euh, et à la limite. Euh, à la limite, euh, dans des conditions euh, d'angoisse de, 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 particulière, les gens peuvent être amenés à, à jouer encore plus facilement. Donc, euh, donc c'est pas c'est pas lié effectivement. C'est pas une c'est pas une société ordinaire qui qui fonctionne en fonction euh, d'un contexte, d'une conjoncture économique donnée. Euh, euh, je ne sais pas, la guerre commerciale Chine-États-Unis, ça leur passe nettement au-dessus de la tête. Ouais. Avec 80 des profits qui seront euh, reversés. Reversés sous forme de dividendes. Chaque ouais. année. Donc, ouais. ça, c'est alléchant et c'est bon mmh, pour, pour, mmh. pour les actionnaires. Mais je pense surtout que l'État, il veut un, un, un actionnariat individuel durable. Donc, toutes ces mesures incitatives, euh, les, euh, les éventuelles distributions d'actions gratuites, la décote, tout ça, c'est fait aussi pour fidéliser euh, un, un actionnaire individuel. Ouais. Puis, puis, puis pour, particulier. pour que le gouvernement puisse mettre à son actif aussi. La réussite encore une fois de cette privatisation, encore une fois, il y a le dossier ADP qui est très compliqué. Donc, Tout à euh... fait. Ouais. Non, non c'est la, la privatisation qui devrait euh, donner envie peut-être euh, d'en voir d'autres. Ouais. Avec encore une fois l'idée, on se posait la question, placement de bons pères de famille ou pas, ou de bonnes mères de famille. D'ailleurs, a répondu euh, Stéphane. Elle a la eu présidente. <rire> <rire> On a envie de la croire là aussi ou pas parce que. Ouais. Peut-être regarder ce qu'on fait. Les loteries cotées d'ailleurs à l'étranger, on n'a oui. pas regardé pour le coup, mais. Oui. Euh... absolument. Mais, mais voilà, sur le papier, en tout cas, euh, comme on dit, c'est une valeur, future valeur, qui coche toutes les cases euh, et qui donne envie, effectivement, d'en en acheter. Voilà. Et peut-être de réconcilier les Français avec la bourse, ça passera par la Française des Jeux, mise en bourse avant la fin du mois de novembre. Nous a dit donc euh, la présidente. On en reparlera tranquillement, peut-être avec vous d'ailleurs, Bruna. Merci beaucoup, Bruna Bazini, Merci. rédactrice en chef adjointe donc au JDD. Bonne journée. Merci.